suis capable, parce que moi j'aime le poulet. Je te le dis directement. Donc tu arrêtes de crier là. En plus, j'avais un tellement beau rêve. Je rêvais de goûter un burger totalement rose. Ah. Et toi, t'as tout gâché, espèce de poulet. C'est sûr que je te mettrai au barbecue, toi. Hein. J'irai en cachette. Et après, Gabi me demandera où il est. Je ne dirai rien, je dirai là-dedans. Maman, j'aimerais essayer de faire un burger totalement rose. J'ai une idée. Je vais voir tout de suite sur YouTube comment faire un burger rose. Oh, Mademoiselle Sakina, elle a fait un burger rose. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais essayer de créer mon propre burger tout rose. Vraiment, j'espère que je vais y arriver. J'ai déjà réfléchi aux ingrédients que je vais utiliser pour créer ce burger. Il y a aussi des ingrédients que je devrais faire transformer en couleur rose. Dans mon burger, je vais essayer d'éviter de mettre le moins d'ingrédients mauvais pour la santé. J'espère que je vais y arriver. Je vais essayer de faire vraiment un burger parfait. Hein. Allez, c'est parti, je vais commencer. On y va. Elle se croit vraiment capable de tout faire, celle-là. Hein. On va voir comment il est, son burger. J'en suis sûre que le mien sera largement mieux. Hein. N'importe quoi. Tout de suite, je vais prendre tous les ingrédients que j'ai besoin. Alors, dont j'ai besoin. Alors, il en faut 150 ml. On va verser le lait. Voilà, comme ça. La moitié d'une cuillère à café. Alors, je prends du sucre. Oula. Et je mets une cuillère à café. Voilà, 320 g de farine. Alors, on met une pincée de sel. Le premier et le deuxième. Voilà. Ensuite, je vais mélanger. Bon, c'est bon. La pâte, elle est prête. Et maintenant, il reste à mettre dans le four. Comme ça, je le mettrai à 200 degrés. Comme ça, ça fait plus rapidement. Et c'est prêt. Allez. Tu te prépares. Moi, je vais dans ma chambre. Et toi, pour mon temps, tu vas te préparer. Hein. Faut que tu sois beau. Hein. Alors, gonfle bien. Allez, moi j'y vais. Lisa, tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui? Je suis trop fière de moi, j'ai fait un burger tout rose. J'en suis sûre que tu les as jamais goûtés. Eh ben moi, je vais en goûter un aujourd'hui. En plus, il est bientôt prêt. Oui, eh ben ouais, t'as vu? Vraiment un vrai burger rose. Si tu veux, je vais t'envoyer une photo. Et ouais. Là, je viens de terminer la pâte, le pain rose. Et maintenant, je vais faire le steak de dinde rose. T'as vu? Tout ça, c'est mes ingrédients, ils sont trop bien. Mais bien sûr qu'il est rose.
ça, je te le dis. C'est pas comme si t'allais au McDo. Bah oui, moi je vais un jour, je vais faire mon propre restaurant. Et tu vas voir, je vais t'inviter si tu veux. Et même je vais t'envoyer une photo quand je l'aurai terminé. Et oui, oui, bien sûr qu'il est rose, je te le promets. Mais tu vas voir, je vais t'envoyer une photo de toute façon. Ensuite, je vais prendre de la betterave parce que moi je vais faire sans colorant. Je vais faire avec du jus de betterave. Voilà. On met seulement le jus. Je mélange. On rajoute de l'huile. Bon, du beurre, mais du beurre fondu. Hein. Je vais prendre une serviette pour recouvrir ma pâte. Je vais recouvrir ma pâte comme ceci et je la pose pendant une heure. C'est vrai, tu as des petits chatons? Tu viens de les avoir? Oh, tu vas m'envoyer une photo? Oui, merci. Allez, envoie-moi une vidéo aussi, s'il te plaît. J'aime trop les bébés. Oh, les petits chatons, c'est trop mignon. Allez, envoie-moi. Ah, c'est bon, elle m'a envoyé. Alors? Pendant ce temps, je vais rajouter les ingrédients qui vont être à l'intérieur. Je vais les préparer parce que moi, en fait, à la place du steak, je vais avoir de la dinde. Parce que je préfère la dinde, franchement, que le steak. Vous avez déjà vu de la dinde rose? Si vous en avez jamais vu, bah aujourd'hui, vous allez le voir. Hein. Allez, c'est parti! Voilà. Et ensuite, je vais mélanger. C'est trop bizarre. Ça fait des petites boules. Tout ce que je mélange, c'est trop satisfaisant. J'aime trop. Et j'avais oublié de vous dire, il y a aussi de l'oignon que j'ai rajouté. Parce que le steak, je vais pas mettre juste de la dinde. Regardez mon steak de dinde. Il est tellement rose. Et je vous dis, utilisez de la dinde si vous voulez tester ça parce que franchement, quand vous allez le préparer, si vous prenez un vrai steak, bah, ça deviendra marron alors que la dinde, ça restera blanc. Regardez, il est devenu tout rose, c'est trop mignon. Donc voilà, ma pâte, elle est prête et maintenant, bah, je vais préparer le pain rose. Je la mets ici sur la feuille de cuisson. Je fais un peu la forme. Et toi, est-ce que t'es abonné à ma chaîne? Si t'es pas abonné, je vais te mettre plein de pâtes sur toi rose. Allez, pour me faire plaisir, abonne-toi à ma chaîne tout de suite. Clique sur le petit bouton rouge juste en bas de cette vidéo. Et ensuite, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Et si tu veux être le tout premier à regarder mes vidéos, clique sur la petite clochette juste en dessous. Donc voilà, le pain est prêt. Regardez, il est tout rose. Il est trop trop beau. Voilà, maintenant je vais le couper et mettre tous les ingrédients roses à l'intérieur. Donc regardez, j'ai déjà préparé plein d'ingrédients roses. Ça, un peu de salade. Voilà, et bien sûr aussi le fromage et la mayonnaise. Et peut-être on va rajouter aussi du ketchup. Voilà, donc là je vais prendre un couteau. Voilà, pour couper ce pain. En deux, je vais essayer, j'espère que je vais faire bien droit. Regardez, c'est tout rose, oh là là, c'est trop bien. Et maintenant, je vais mettre les ingrédients à l'intérieur. Je vais commencer par mettre de la mayo. Voilà. Alors, elle est bien rose, hein. Alors, on prend comme ça et, attendez, je prends plus gros. Et j'étale. Tout est rose, vraiment. Le steak de dinde, voilà, regardez, il est tout rose, c'est trop beau, regardez, tout est rose. Je vais remettre un peu de mayo, un peu de tomate, voilà, une grosse tomate comme ça, regardez, oh, c'est trop beau, regardez, il est tout rose, c'est trop beau, allez, waouh, tous les ingrédients, ils sont roses, c'est un truc de ouf. Donc c'est de la salade que ma mère a fait, acide, c'est un truc russe qu'on fait en Russie, voilà. C'est ma grand-mère qui l'a fait, cheese. Ensuite je vais mettre des oignons, ici comme ça. Les radis, une ici,
les radis, c'est le plus facile à mettre, vraiment. On va terminer avec la salade. Je vais un peu la craquer comme ça pour qu'elle tienne comme ça. Et encore un seul. Voilà! Et maintenant, on va le fermer. Allez, 1, 2, 3. Tadam! Oh, regardez comment il est haut! Mon burger! Attendez, j'ai une idée. Je vais mettre, un bâton à l'intérieur pour que tout ça, ça tient. 1, 2, 3. Voilà. Je pense que c'est bien là. D'autres salades, etc. Et donc voilà, donc c'est ma petite recette à moi. Et donc j'espère qu'un jour je ouvrirai comme Yura TV un restaurant de burgers roses. Je vais manger plus tard parce que je vais pas manger devant vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre où je fais de la nourriture d'une seule couleur, écrivez-moi tout ça en commentaire. Et je le ferai avec grand plaisir. Et donc moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.